different way, a sense of adventure. It's a sense of courage and keeps the argument for his own need. He has come to the view that his restrictions are better life, preferable to the other kind of adventure, which he has sometimes found himself compelled to the past. Thank you.
Radio Libertaire, bonsoir à toutes et à tous, c'est Tormentor qui Hugo, tu es de retour, bienvenue à toi. Merci, merci, voilà, ça faisait longtemps. Ouais, ça faisait à peu près deux mois et demi. Oui, hein, une bonne pause. Ouais. Une petite pause, tu n'as pas pris de pause, puisque voilà, tu as pouponné. Hein. Pour raison parentale, hein. Ouais. Voilà, on en est bien heureux. Merci. Voilà. Donc te revoilà donc, pour de nouvelles aventures. Oui, on va essayer d'être. Je vais essayer d'être un peu présent. On verra. Voilà, on est que deux, hein, mais Ange, évidemment, pour cause de vacances, nous a faussé compagnie. Donc, nous nous retrouverons dans deux semaines avec de la house, comme il nous a promis. J'espère qu'il tiendra promesse. Eh bien, pour commencer, c'était plus dark ambiante que house, hein, comme vous avez pu le remarquer. Une programmation assez classique, Tormentor, hein, pour ceux qui nous écoutent toutes les deux semaines. Et pas ceux qui nous appellent pour demander de changer de programme. Alors on a commencé par le finlandais de Karjalan Sissit avec un morceau qui s'appelle Dead Calm sur un album sans titre. Je crois que c'est une sortie Cold Spring, mais je ne me rappelle plus trop. J'ai un peu oublié de noter le nom du label. Ensuite, Deutsch Nepal avec The Fire Within My Cold Heart. C'est sorti sur le magnifique Benevolence, évidemment, la bonne période Call Meet Industry, et je pense que cet album en est un exemple parfait. Voilà, c'est vraiment un très très bon, très bonne pièce à voir si on aime le genre d'art ambiant industriel. Et enfin, donc, on va dire quelque chose d'assez différent, je pensais que ça allait passer, mais la transition s'est faite un petit peu abruptement. C'est les Master Musicians of Bukake. Avec Failed Future sur l'album Totem 3 et sorti sur Important Records. Voilà, je pensais que le thème et le côté un peu ésotérique de Deutsche Nepal allaient bien se fondre avec celui-là, mais finalement, j'aurais dû peut-être choisir un autre de leurs extraits. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Alors, on va continuer sur la thématique ambiante expérimentale. On va commencer avec un duo russe qui s'appelle Sal Solaris. Ils ont participé à un split avec Reutov, ça te dit quelque chose aussi, hein, Reutov, oui, oui, bien sûr. Qui sont russes également, hein, il me semble. Oui, oui. De nationalité. Et ils ont composé un split avec eux qui s'appelle Eigen Grow, qui est sorti sur Cyclic Law en mai de l'année dernière. Et on va écouter le morceau Children of the Dead, qui est en fait une reprise d'un morceau de Reutov. C'est un peu bizarre cette idée, cet exercice, mais ça rend un morceau très intéressant. Et par la suite, on écoutera un extrait du dernier album de Kerridge, Samuel Kerridge. C'est parti. Je sais pas si le téléphone marche. Si, ça, ils ont répondu tout à l'heure, donc ça a l'air de bien fonctionner cette fois. Peut-être nous, on s'est un peu emmêlé les pinceaux. Donc 01 43 71 89 40, comme d'habitude. Et tormentor.fr, la rubrique live, on est aussi accessible par ce biais. C'est parti avec Sal Solaris. В ближайшее время будет страшно. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
retour sur l'antenne de Radio Libertaire avec Tormentor Radio Show. Alors, on a écouté Sal Solaris hein, pour commencer cette, cette séquence avec le morceau Children of the Dead. Ensuite, on a écouté un morceau extrait du dernier album de Kirridge, Samuel Kirridge, qui est un Anglais qui est basé à Berlin maintenant, comme beaucoup d'autres. Depuis un certain temps, il organise d'ailleurs des espèces de mini-festivals ou des soirées qui s'appellent Contort. Et il vient de démarrer une structure, un label pour éditer ses propres productions, dont cet album « Always Offended, Never Ashamed », j'espère que je le prononce bien. Ashamed, ouais. Ashamed. Et c'est géré par lui et par sa femme. Et cet album est sorti là au début du mois. Il y a toujours une rythmique, c'est toujours rythmé, il y a sa petite touche, mais on s'éloigne un peu du monde techno et c'est vrai que il s'approche de plus en plus des productions. Je dirais presque Def Indus de ce qu'on a pu connaître fin des années 90, début 2000 quoi. Et ce morceau ça s'appelait WOSW, voilà, c'est un morceau de 10 minutes. Ensuite on a écouté Massé ou Mace, qui est un projet italien et si je dis pas de bêtises lui-même encore une fois berlinois pour le coup, avec le morceau Il Vecchio de la Montagna. C'est extrait d'un 4 titres 12 pouces hein, on va faire plaisir à Ange, qui s'intitule The Events Are Already Theirs. On va dire Mace alors, vu qu'ils balancent leur titre En italien le titre là en anglais. En anglais, ouais. Donc Mace, on va dire Mace. Et c'est sorti sur Eclipse Music, qui est un label italien. Et c'est sorti en février 2014. Ensuite, on a écouté un projet britannique de Sophia Loiseau, avec le morceau Batizia. C'est extrait de son premier album Chrysalis. Ça a été produit par Paul Jabin Manzam, quelque chose comme ça, qui est le patron du label Subtext. Et c'est pas trop étonnant parce qu'on est un peu dans cet univers là de Subtext hein, entre ambiante, expérimentale et électronique. Et c'est sorti sur le label londonien Astro Dynamics. C'est sorti en septembre. Et on a terminé avec Drop, qui est un projet également italien de Giuseppe Bifulco, avec le morceau Erratic Rituals, extrait de Vasundhara. C'est sa première sortie, son premier maxi, et c'est publié sur Arboretum Records en avril de l'année dernière, 2014. Voilà. D'accord, bien, on va enchaîner maintenant avec un peu d'électronica, voilà, d'être un peu plus planant. Et pour commencer, immédiatement, sans transition, ça va être un morceau de Scanner, un anglais, Robin Rimbaud, voilà, qui a sorti un disque, celui-là, il doit avoir déjà quand même 4-5 ans, 2009, 5 ans, bientôt 6, le temps passe vite. L'album s'appelle Rockets Unto the Edges of Edges, là, sorti sur Bind Music. Distribué par Compact, donc ça c'est un label de minimal, je crois, assez connu. Enfin, pas de ouais, nous, ouais, hein, qui est plutôt assez gros. On ne plane pas dans ces, au-dessus de ces champs-là. Et ben, on vous laisse écouter. Hein, le morceau a pour nom Pietas Illulia et c'est sur Radio Libertaire 89.4 MHz. Et le 01 43 71 89 40, c'est le numéro pour nous joindre. Primitive competition was a conflict as to which should murder the other man and his wife and children. Modern competition, in the shape of war, still takes this form. But in sport, in literary and artistic rivalry, and in constitutional politics, it takes forms which do very little harm, and yet offer a fairly adequate outlet for our competitive instincts. What is wrong in this respect is not that such forms of competition are bad, but that they form too small a part of the lives of ordinary men and women.
I like the shape.
Et nous voici de retour sur l'antenne de Radio Libertaire, Tormentor Radio Show. Voilà, alors, eh bien, donc je ne vais pas détailler ce qu'on a passé. Donc le scanner, c'est déjà fait, c'était Pietas Illulia sur Rocket Unto the Edges of Edges. Moi, je le redis encore. Ensuite, Sanctoten, un Allemand. Alors, Discogs dit qu'ils sont en duo, mais là-dessus, il avait l'air d'être tout seul. Deux. Ils étaient trois, maintenant ils sont plus que deux. Ouais, c'est mais probable. Ouais, moi c'est Stéphane Houghton, enfin Monsieur Houghton, voilà. J'ai l'impression que là, il avait l'air d'être tout seul là-dessus. Peut-être qu'il a un acolyte qui fait le live avec lui. J'en sais rien. Donc, on écoutait un morceau qui s'appelle Es ist nicht alles Gott was glänzt sur le split avec Majeur sorti en 2010 sur Denovali. Et en troisième, vieille connaissance, Drift. Voilà, j'ai eu envie de ressortir un petit peu avec No Bargains, No Please sur le Ventricle, sorti aussi à peu près à cette date-là sur N5MD. Voilà, plus de nouvelles depuis. Hein, du label d'ailleurs, je ne sais pas tout ce qu'ils font. Hein. Bah, ils continuent, ils existent encore. Ils continuent, mais ça tourne un peu autour du tu sais, toute cette vague post-electronica là où c'est pas hyper. Intéressant. C'est sympa, en fait. Mais bon, ça tourne en rond. Ça tourne vraiment en rond, quoi. Donc on va tout de suite passer à la suite, hein, à la dernière séquence, une séquence pour ma part que j'ai faite un peu plus rythmée, plutôt, oui, techno-industriel, hein, comme j'ai l'habitude maintenant de faire de temps en temps, et beaucoup plus régulièrement maintenant. On va commencer avec un duo irlandais qui s'appelle Laker, avec le morceau Mausoleum. On peut nous joindre au 01 43 71 89 40. On est là jusqu'à 23h. C'est Tormentor Radio Show sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. We'll be right back.
nous voici bien de retour sur Radio Libertaire, sur l'antenne de Radio Libertaire. Pour la conclusion de Tormentor. De Tormentor, avec, donc, pour cette dernière séquence, très axée techno-industrie. Ouais, ouais, pas mal, hein, pas mal du tout. On avait commencé avec un duo irlandais qui s'appelle Laker, avec un morceau Mausoleum, extrait d'un 12 pouces, d'un vinyle 12 pouces, 4 titres, cher Ange. Mais ils nous écoutent pas, ils s'en fichent. Ouais, ils nous écoutent pas. Containing Thousand, c'est sorti sur le label RNA Records en février 2014. En fait, c'est un bon label techno de Londres. Ensuite, on a écouté un projet allemand qui s'appelle Shada Toom. C'est un nouveau projet d'un certain Brandon Rosenblut, qui a aussi un projet plutôt dark wave, électro dark, qui s'appelle Relic. Enfin, il participe à ce projet. Et là, Shada Toom, il vient de sortir je pense, un 4 titres sous ce nom. Et on a écouté le morceau Merkaba. C'est sorti sur Portals Editions en octobre dernier. Ensuite, on a écouté une sortie Ad Noiseam, hein, pour changer, qui a été publiée en novembre. Swarm Intelligence, si je dis pas de bêtises, c'est aussi un Irlandais qui est basé à Berlin. On a écouté le morceau Destroyer et c'est extrait de l'album Faction. Donc Faction sur Ad Noiseam. Bientôt, on va arrêter de dire qu'ils sont, on va dire, un Berlinois qui est né en Irlande. Et on a terminé avec deux projets qui sembleraient être britanniques. Def Abyss, le premier, avec All Truth or Worth Betraying. Mm-hmm. C'est sorti sur A Celebration of Suffering. Ça, c'est sorti sur Rhodes Connes, donc un label basé à Birmingham. C'est sorti en mai. Et autre prod de Rhodes Connes qu'on a écouté pour finir, c'est Korax avec un remix par Tomohiko Sagae, qui est exactement d'ailleurs qui vient du label. Ça reste en famille. Tu m'as dit qu'il était dans le titre. Alors Def Abyss, je pense, à mon avis, il vient du label. Ouais, c'est, ouais, non, peut-être... mais le remixeur. Ah, le remixeur aussi. Le Korax, ouais. Ouais, 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 ils se remixent entre eux. Et c'est le remix du Corvus de Korax. c'est publié sur Corvus Remixes. Ah bah vraiment, oui, voilà, Corvus Korax. Oh là là. Ça, c'est sorti en janvier 2014. C'est Corbeau Noir, tu sais, le voilà. Ouais, Corvus Korax. Ouais. Rhodes Connes, label anglais. Je viens de le découvrir, tout simplement. Je vais en rediffuser probablement par la suite. D'accord. Bon. Bah, ce sera tout. On se dit au revoir. On laisse la main, je pense, à aux personne, bandes sans fin. Hélas, ouais. Ouais, je crois que le tel paradoxe a fait une pause. Voilà. On verra dans 2 semaines s'ils sont là. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines autour du. Bah, c'est le 14 mars. Voilà, c'est exact. Très simple. Allez, ciao. Salut.